Monsieur Mangatal? André? Alors est-ce que André est là? Donc là il y a des bassins hein, déjà. Et là est-ce que... André? Ah non, il n'y a pas André. Alors? Il est où André? C'est chez vous là? Déjà qu'elle est jolie la maison. Allez, je cherche André, moi. J'y vais. Je peux passer, madame? Ou tu vas me charger? Elle, je vais passer. Donc elle se met au milieu de la route? De la route? Parce qu'il y a son bébé et elle est pas contente. Elle est quoi? Mais elle est détachée ou oui, elle est attachée? Ah, ok, d'accord. Elle est détachée ou elle est attachée? Voilà, donc je crois que c'est là-bas, en fait. Voilà, donc on est parti en expédition à la ferme des écrevisses d'André Mangatal. Je suis monté à l'arrière de la benne du pick-up. Attention, baisser la tête. Maman, j'ai une petite tête. Tu fais tout quoi, maman? Maman! Maman! Tiens-toi bien. Donc là, je pense qu'on est arrivé. Attention, je baisse la tête. Oh là là là. Ah, je l'ai eu dans la figure. Je crois qu'on est pas. Hé, papa, regarde des noix de coco. Ah, il y en a plein. Papa, regarde une noix de coco. Ah, là, il y a les canards. Quoi? Les canards? Voilà, on y est. Regardez toutes les écrevisses qu'il y a là. Venez voir. Mais c'est comme ça les écrevisses? Eh oui. Alors ici, il y a 20 bassins de 1000 m². Chaque bassin est autonome, c'est-à-dire chaque bassin a son arrivée d'eau, son évacuation et est indépendant des autres. Alors, ces écrevisses-là, contrairement aux écrevisses qu'on peut trouver en métropole et généralement dans le monde entier, ce sont les écrevisses sont des charognards détritivores. On dit de l'écrevisse en métropole que c'est la poubelle de la rivière, parce que ça mange tout ce qui traîne dans la rivière, ce sont des charognards. Elle, non, c'est une écrevisse herbivore. Grâce à son régime alimentaire, vous pouvez voir que l'eau est verte. Nous rendons l'eau verte. Si l'eau est verte, ça veut dire qu'il y a du phytoplancton dedans. Donc je fais des inoculums de phytoplancton qui vont nourrir mes écrevisses. Quand on pêche les écrevisses, je fais descendre le niveau du bassin. En fonction des écrevisses dont j'ai besoin, je vais faire descendre plus ou moins le niveau du bassin. Et donc j'ai capté l'arrivée d'eau et qui arrive dans mon flow trap. Ça, ça s'appelle un flow trap. En anglais, flow trap, ça veut dire piège à courant. Donc je crée un courant artificiel, je fais ça la nuit. Alors vous voyez qu'il y a encore une petite réponse parce qu'on voit que les écrevisses se massent à l'entrée, au pied de la rampe. Je vais pêcher jusqu'à finir complètement ce flow trap, trier toutes les écrevisses qu'il y a dedans, les répartir par classe commerciale, je vais vous montrer ça là-bas. Et après, là j'aurai assez d'écrevisses pour assurer mes ventes du week-end, je pense. Donc je reprendrai la pêche la semaine prochaine. Donc ça, c'est des écrevisses qui sont à maturité, qui sont prêtes à la vente. Oui, ça c'est un bassin tout mâle. Il n'y a que des mâles. Que des mâles. Dans mes bassins, j'ai ici 20 bassins de 1000 m². J'ai 4 bassins de reproduction pour assurer le grossissement des 16 autres bassins. D'accord. Et quand je vais pêcher mes bassins de reproduction, les juvéniles que je vais prendre des bassins de reproduction, je vais les sexer. Oui. Grâce, encore une fois, cette écrevisse-là est uniquement sur cette écrevisse-là, ce n'est pas valable sur toutes les écrevisses, mais celle-là, le sexe est apparent dès la naissance. Et on peut le contrôler tout de suite, rapidement, à l'œil nu. Donc ça veut dire que je vais prendre tous mes juvéniles, je vais les prendre un par un, tous, et je vais mettre dans les bassins tous les mâles, et dans un autre bassin, toutes les femelles. Ceci afin de ne pas avoir de reproduction anarchique, c'est moi qui maîtrise la reproduction. Donc là, on voit que les écrevisses continuent un petit peu à s'agglutiner parce qu'elles sont attirées par le courant. Et systématiquement, dans son milieu naturel, dès qu'elle détecte un courant, elle le remonte pour ne pas retourner vers la mer. L'écrevisse est un produit d'eau douce qui n'aime pas l'eau de mer et vous ne trouverez pas d'écrevisse en mer, ça n'existe pas. Cette écrevisse-là, dans son milieu naturel, c'est une écrevisse d'eau stagnante. Elle n'aime pas les eaux vives. Contrairement aux écrevisses de métropole qui aiment les eaux vives et qui n'aiment pas trop les eaux stagnantes. Au contraire, elles sont plutôt dans les eaux torrentielles et riches en oxygène. Donc,
On utilise cette application très pratique pour les pêcher. Grâce à ce système-là, je pêche 95% du bassin. Ça veut dire que je ne pêche plus au filet. C'est les écrevisses qui se pêchent toutes seules. Oh, vous voyez, quand l'écrevisse à l'extérieur des pinces rouges, là, c'est des mâles. Je mets 5 bêtes au mètre carré. Dans un bassin comme ça, je vais mettre 10 000 écrevisses. Ah oui, t'as vu les écrevisses de mes demandes. En fonction vous avez de vu aussi, ouais. Parce que quand je vais pêcher ça pince un peu. Rien. Ah ben, moi, j'ai changé là. Il y a une grosse demande à l'intérieur de l'année ou c'est plutôt... Ah oui, non. On produit toute l'année. Alors plus l'eau est claire, plus l'écrevisse sera bleue. D'accord. Voilà. Si vous la mettez dans une eau cristalline, elle va être bleue comme ça. Quoi. D'accord. Dans l'environnement. Voilà, l'écrevisse mue et change sa carapace, comme tous les crustacés, hein, change sa carapace régulièrement. Allez, donc en fait, là, on les amène... Là, je les prends et on va aller les trier où on était tout à l'heure sur la table de tri. Allez. En haut, il y a un canal. Voilà, donc ça, c'est le canal de la Jules, qui est le canal, le frère jumeau du canal de Beauregard. Et qui historiquement, donc il a un flanc de montagne ici, et c'est lui qui amenait l'eau à l'habitation Bali pour faire le rond de Bali à la Jus au Carnet. Et donc ce canal n'est pas très connu parce qu'il est entièrement sur la propriété, sur une propriété privée de A à Z. Donc les gens le connaissent peu, mais c'est lui qui nous fournit de l'eau, et grâce à lui, on arrive à avoir de l'eau en gravitaire puisqu'il est, il est surélevé par rapport à nos bassins. Et l'eau donc tombe en gravitaire dans les bassins, donc on n'a aucune énergie de pompage ici. Donc là on les trie en fonction des tailles. Voilà, alors je vais mettre les petites ici. Et alors, ces écrevisses là font entre 30 et 50 grammes. Là c'est les écrevisses moyennes, comme on les appelle moyennes, qui font entre 50 et 80 grammes. Là c'est le calibre que je fais pour le restaurateur qui font entre 80 et 100 grammes. Et là c'est tout ce qui fait plus de 100 grammes. Regarde, elle a cassé sa pince. Ah ouais. Tout membre sectionné, hein, chez tous les crustacés, hein, que ce soit crabe, crevette, ça repousse. Tout repousse, ok. C'est jamais celle que tu prends toute morte. Ouais, c'est les autres qui sont autour. Ouais. Si je prends celle-là par exemple, je sais que je vais la prendre là, elle ouais. Va jamais me mais faire. Mais si y en a une en dessous. Celle qui est en dessous, ah bah ouais, c'est elle qui va m'attaquer. Et ça fait mal. Bah, ça fait très mal. Si on regarde bien les pinces de l'écrevisse, regardez l'extrémité des pinces là. Ouais. Vous voyez les deux petites aiguilles là qu'il y a au bout. Ah ouais. L'écrevisse. Dès l'instant qu'elle pince, les crevisses ou les crustacés en général, dès l'instant qu'il pince, tant que vous le tenez, tant que vous le maintenez, il va continuer sa pression sur la pince. Ouais. Par contre, si par exemple là je prends les crevisses et qu'il y en a une qui me pince, qui m'attrape là, eh ben je vais lever, je vais souffrir plus en silence possible, et c'est elle qui va lâcher d'elle-même. Mais si je m'amuse, si je la prends comme à la ça, tenir, si j'essaie de tirer, c'est là qu'elle va serrer. C'est bon. Et si vous tirez en plus de ça, comme en général c'est pincé et puis il y a les petits ergots que je vous ai montré qui rentrent dans la peau, si vous tirez, voilà, ça arrache tout quoi. Donc on ne tire pas, on attend qu'il arrive. C'est ça. Et du coup là les écrevisses, puisqu'elles ne sont pas d'ici, c'est une espèce qui viendrait d'où alors, originaire? Papouasie-Nouvelle-Guinée, le nord de l'Australie. Ok. Elle a été découverte par les Australiens, elle s'appelle Kerax quadricarinatus, moi c'est ma spécialité en fait. Voilà. Moi je suis ingénieur aquacole spécialisé dans l'élevage de l'écrevisse. Moi au départ je suis venu ici pour 6 mois pour leur montrer comment ça marchait. Et puis maintenant ça fait 13 ans, je suis resté en fait ici chez M. Mangatal, le plus gros producteur de Martinique. Alors ça c'est toutes des écrevisses qui ont un an. C'est un bassin d'un an quoi. C'est le bassin, moi j'ensemence à J0 et je pêche à J+1+2. D'accord, ok. Tout ce qu'on trouve dans les rivières de Martinique et plus largement dans tout l'arc entier, ce sont des crevettes d'eau douce. Le Ouassou. Ouais. Vous avez déjà peut-être vu ou entendu parler ouais, de Ouassou. En Guadeloupe, en Guyane, non, le Ouassou. Mais le Ouassou n'est pas une écrevisse, c'est une crevette. Crevette. Les habitants Ouassou, c'est la même bête. D'accord. C'est-à-dire que c'est du créole en fait. Okay. Le Ouassou, ça veut dire le roi des sources. Okay. Et c'est les Guadeloupéens qui l'appellent le Ouassou. Et cette même bête-là qu'on trouve ici, on l'appelle les habitants. Donc, d'accord. Les l'appellent les habitants, les Guadeloupéens l'appellent Ouassou. Okay. Ça, c'est une crevette d'eau douce. D'accord. Et le mot créole de cette bête-là, c'est cribiche. Donc la crevette qu'il y a dans la rivière ici, ça ressemble à l'écrevisse ou pas? Oui et non. C'est-à-dire que elle a des pinces, elle a 4 paires de pattes marcheuses, une paire de pinces. Et au niveau morphologie, c'est à peu près la même. Mais par contre, la queue est différente. Chez l'écrevisse, la fin de la queue est empâtée, elle est bien large. Chez la crevette, ça part en pointe. Voilà. Et la différence, c'est au niveau morphologique. C'est-à-dire que la crevette, on la trouve en eau douce ou en eau de mer. Mais la crevette d'eau douce, comme les habitants,
qui grossit dans la rivière se reproduit dans la mer. D'accord. L'écrevisse fait tout dans l'eau douce. Se reproduit, grossit et meurt dans la rivière. Et donc là, tout à l'heure, tu parlais des oiseaux ou des habitants qu'il y a ici. Mmh. Si jamais, nous, on a envie d'aller voir si on peut en trouver, est-ce qu'il y a une fois où on peut aller en chercher ou... Les habitants? Oui. Oui, voilà. Pour trouver chez les habitants, en fait, ils font alors soit, comme tu dis, avec l'invention. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils posent des maniocs dans la rivière la journée. Donc ils prennent des bois de manioc comme ça. Et puis ils le fichent sur une tige en fer ou sur un ou calé entre deux roches sous une pierre dans la rivière. Et puis le soir, ils reviennent avec l'invention. Alors l'invention, c'est un carrelet, en fait. C'est un filet que vous déployez comme ça. Et puis vous allez sous les roches avec une pile électrique, parce qu'avec les piles électriques, vous voyez les yeux qui brillent. Et puis, dans un trou, remonter avec l'invention, puis vous essayez de faire rentrer les habitants. D'accord. Et partout où ils ont mis des bois, ils viennent avec l'invention sous le... Parce qu'elles sont venues manger, quoi. Parce que les habitants est dessus en train de manger. En général, quand vous arrivez, ils sont en train de manger. Ouais, mais par contre, il faut y aller. La nuit. Et ouais. La nuit. Ouais. Et serpents. Il y a des serpents. Ouais, on nous a dit qu'il y avait pas mal de serpents. Hein. Et le serpent, il est nocturne. Hein. C'est le trigonocéphale. Ah oui, il y en a qu'un, de toute façon. C'est celui-là. Il est mortel. Ouais. Donc là, la rivière du Carbet qui coule et qui court jusqu'à se jeter dans la mer des Caraïbes au bout. Donc Mathéo veut tenter d'aller chercher un fruit à pain dans l'arbre. Ceux qui ont l'air plus gros sont très hauts, quoi. C'est lourd ? Ah ! Bon, celui-là il meurt. T'en as deux là ? Deux, ça suffit? Donc le fruit à pain qu'on nous a conseillé de faire un gratin. Qui ressemble à de la pomme de terre. Voilà, donc on va tester. On pensait avoir cueilli des fruits de l'arbre à pain. Finalement, il s'est avéré en demandant aux voisins que c'est des châtaignes qui étaient en fait. Donc l'arbre est le même. Sauf qu'en l'ouvrant, je me suis rendu compte que c'était pas du tout comme ce que j'avais imaginé et ce que j'avais pu voir. En fait, ce fruit-là, il est différent parce qu'en fait il est épineux, donc il a des pics dessus, que l'arbre à pain il est tout lisse, le fruit à pain est tout lisse. Donc c'est vraiment le même arbre, hein. Ils m'ont dit, ouais, ça devrait être, apparemment c'est succulent. Donc on va tester et puis on verra bien. Voilà. Une fois qu'on a enlevé la peau, il reste ça, un peu germé, et c'est ça qu'on fait bouillir avec des feuilles de marron d'Inde. Des feuilles de bois d'Inde. De bois d'Inde, pardon. Mais le marron d'Inde, c'est pas pour les hémorroïdes, par hasard. C'est pour les hémorroïdes. Voilà, donc après avoir nettoyé, on va les mettre dans l'eau pour les faire bouillir. Avec un peu de sel. Et du bois d'Inde. Donc la dame, elle disait une cuillère à soupe. Alors on y va pour une cuillère à soupe. Ok. Et là, j'ai des baies de bois d'Inde. Donc je vais en mettre une ou deux, pas plus. Je vais en mettre deux parce que je sais pas trop ce que ça donne. Voilà. Voilà. Au final, ce que ça donne. Ça ressemble un peu à une gousse d'ail. Mais ça a bien le goût de la châtaigne, hein, un peu plus fort. Pas mauvais. Et toi, tu les as mangés? Oui. Ça t'a plu? Bon. Ça, tu as mangé? C'est bon? Ça a l'air. Toi, tu manges des châtaignes ou pas? Non, d'accord. Non, toi, tu manges une crêpe. Oui, parce que je ne les aime pas, c'est de la patate. Avec ton bouton de moustique sur le front. Donc, voilà, la dernière. Alléluia. C'est fini. Voilà. C'est long à éplucher. Hein. Voilà, donc là on est arrivé à la cascade Saugendarbre. Et on est même très bien accueillis. Hein.
Ça va bien. Oh, t'es belle toi. Il pleut, c'est tout couvert. On nous a dit de pas venir. Dans l'image. Et on nous a dit de pas venir quand c'était mouillé parce que les marches glissaient. Puis en plus tout le monde dort dans la voiture. Et là, on arrive sur le clou du spectacle.